Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Terminator. On reprend notre mission. Il fallait qu'on nettoie définitivement tous les petits enfoirés des gangs qui traînaient à droite à gauche. Ça nous avait coûté relativement cher, ils sont quand même plutôt bien retranchés, bien défendus, mais on avance petit à petit, tranquillement on va dire. Normalement on a encore un petit peu de répondants, même si clairement faire le plein quelque part serait pas mal. Toi, il te reste encore 2000 de ravitaillement, c'est pas si mal. Ici on avait envoyé quelque chose se ravitailler. Ok, c'était le bulldozer qui pour le moment n'a rien du tout. Alors ça m'a emmerdé hein, de perdre ma plateforme lourde ici de qualité, mais tant pis, c'est la vie malheureusement. On en a récupéré potentiellement une, peut-être deux si on arrive à sauver celle-là, ce qui n'est pas fait. On est en plein dans le fight là. Quoique, on commence à les avoir repoussés un peu du coin. Le problème, ça devient les munitions de tout le monde un peu ici, ça va. Notre camion de ravitaillement est assez loin, on l'a amené ici pour qu'il se déploie là. D'ailleurs, il faut y aller. Là, on était en train d'amener de la TGM sur le champ de bataille. On va aller jusqu'ici. Il reste ici l'artillerie qui nous emmerde. Donc notre véhicule artillerie ici est en train de se refaire parce qu'il est vide. Est-ce qu'il nous reste? Ça, c'est de la plateforme légère avec un canon. Est-ce qu'il nous reste une plateforme d'artillerie? Ici, on en a perdu une. Ok, ici, et t'es beaucoup trop loin, ok, t'es en train de la récupérer je pense. Là je sais pas pourquoi je peux pas la réparer, j'ai pas les symboles, peut-être que j'enlève la pause. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je leur ai déjà donné l'ordre, ok, c'est pour ça. C'est parce que je leur avais déjà donné l'ordre. Ici on va profiter que c'est un peu près calme pour... c'est quoi, c'est un tir ça? Ah sa mère, oui, c'est un tir. Eux là, ils sont capables... Ah, c'est du canon sans recul, putain, les enfoirés. Ils sont capables de faire chier à cette distance. Ok, donc on va balancer de la fumée par là. Toi, tu vas te mettre par ici, on va essayer d'allumer un peu. Ici, on a quoi? Une escouade de lance-roquettes. L'appareil, visiblement, c'est du sans recul. Ok, ici on a perdu quelqu'un. Il y a une escouade lance-roquettes ici aussi. Ils sont un peu énervés les mecs. Hein. Bon là le rails pour le moment il nous sert pas trop. On va l'avancer un peu. On va avancer avec lui également. Normalement on a du renfort qui arrive. Ici on se recharge. Toi t'es plein. Faut que tu te bouges le cul. On a besoin de toi. Alors tu portes du... Bob Legrand là, ils prennent un peu cher, ils ont plus que deux conducteurs. Il y a toujours du monde qui pourra sortir ici, non? C'est une blague ça. Ça c'est du troll ça. Et on va le gérer avec eux, ils sont en train de se retaper. Est-ce qu'on a chargé l'artillerie là? Allez, faut me l'embarquer. Voilà, excellent. On va aller la dropper dans l'idéal par là. Il y a des trucs qui tombent là? Non, c'est de la pluie. Ok. Si on la drop par là, je pense qu'elle devrait être à portée. On va lui demander l'ordre de tirer dans le tas là-bas. Toi, c'est pareil. Ici, on est un peu à sec. Là, on a des unités qui glandent. On va avoir besoin de vous sur le front, les gars. Faut y aller. Dans l'idéal, ça serait bien ici. Donc, progresser jusque-là. Là on va essayer de remettre du monde. Ah mais on peut pas mettre, il y a combien de places? Il y a 7 places dans ce bâtiment. Fait chier. Mettez-vous par là pour le moment. En plus on a presque plus de HE. Ici on tankouille un peu tout ce qui traîne. Là on a quoi? Ok, l'Abrams qui est en train de revenir, parfait. Ceux-là on leur a donné l'ordre de bouger. Ici... on progresse avec notre petit ATGM.
Le camion de ravitaillement, je pense qu'on va le remballer. On va essayer de l'envoyer là-bas. Est-ce qu'on voit ce qui lui reste à lui? Non, on lui voit pas. Et là, toi, de toute façon, t'as rien. T'as pas de munitions, t'as que dalle. Donc on va prendre le camion de ravitaillement. On va aller piquer un petit peu de ressources à nos amis, là. Tant qu'à faire. Ça s'est un peu calmé, là. On a réussi à neutraliser... ce qu'il y avait à neutraliser. Toi, tu peux avancer jusque là. Ça, c'est toujours en flamme. Là, il est en train de réparer, mais il est tout seul, le pauvre gars. Donc forcément, ça n'aide pas. On va essayer d'avancer un peu, là. Alors, ce qui m'embête, c'est les dangers, là. Si ça, ça veut dire qu'on peut potentiellement avoir du renfort, ça va piquer un peu. Ici, on a passé la race de... Ok, on a de nouveau une vision là, on peut allumer. On va vous foutre au sol, vous. Vous nous servez d'éclaireur pour le moment. Vous allez prendre ce bâtiment. Putain, les canons sans recul qui nous sifflent aux oreilles là. On n'aurait pas des snipes quelque part? Où sont nos snipers? Ah oui, vous ne servez à rien là, les gars. Faut venir ici là. Là vous aurez une très belle vision là. Ok, on commence à voir un petit peu. Plateforme lourde, remorque de ravitaillement. Là, on va l'annihiler, excellent. On va dépouiller. Est-ce que notre artillerie est en place? Elle arrive. Ici. Ça y est, ils sont réparés donc on peut les récupérer. Là on a amené quelques rangers sur le chemin. Parfait. Toi du coup, dans l'idéal... Oh 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 oh, joli. Très très beau ça. Il te reste deux ATGM toi. Bon, en plus on est à portée ici. Très très bon ça. Si on élimine cette remorque de carburant, ça peut être carrément worth it. Vas-y toi. Tente un tir là-dessus là. Le Sherman, il a quoi comme portée? Il est en train de tirer, hein. Ok, il a allumé. Donc en gros, il leur reste un petit peu de monde ici, là, mais c'est pas non plus oufissime. Toi, j'aimerais bien que tu tires sur ça. Alors dans l'idéal, hein, si on pouvait les récupérer, ça serait bien, mais... On voit que ils ont un sacré canon sur leur machin, là. Ah, j'espérais une explosion plus efficace que ça, dommage. Bon, du coup, on va essayer de se faire ça. Toi, t'as une portée, mais qui reste relative. On pourrait quand même les envoyer là. On a du taux ici? Non, on n'a pas de taux. On a du taux qui doit arriver, normalement. Ouais, toi, là. Vous, vous êtes retapé. Avancez un peu. On va faire de la place. On va avancer notre Dragon. Il y a des mecs qui courent dans la pampa. Eux, ils sont déjà bien à partie. Donc on va avancer. Pareil pour toi, avance. Ouais, tu te fais celui-là. J'imagine que toi t'es à sec. Non, t'es pas à sec encore. Alors là, on a quoi? Là, on est en train de se placer. Vous, c'est pareil. En avant, les gars. Essayez d'aller me prendre ça, là. On va aller prendre de flanc. Ils sont dans le mal. Là, on peut reprendre ça en main. Alors ici, on a quoi? Des escouades à lance-roquettes. Donc ils vont être assez désagréables. Il nous faut nos trucs qui tirent par-dessus. Voilà, les frags, là. Venez par là. Le Bradley, on va l'avancer jusqu'ici. Avec toi. Toi, t'es à sec, donc pas de soucis. Toi, tu drops tes gens là-bas. Ok, on est en train d'allumer tout ça, là. On a défoncé le ravitaillement et tout. C'est parfait. Allez, allez. Excellent. Putain, c'est costaud, cette saloperie. Donc, toi, t'es à sec. Bah, recule pour le moment.
Ah oui, on avait des snipers au volant de ce truc-là. Bon, pourquoi pas. Toi, je t'ai pas donné l'ordre d'aller là-bas? Il me semble bien que si, hein. Vas-y, dégage. Ici, pareil, on doit être plein. On va replier bagage. Ah, on n'est pas plein, donc stock est vide, du coup. Ouais, stock est vide, ok. Il nous reste quand même un petit peu de quoi faire le taf. Comptez-vous. Toi, tu relâches ça. Ici, on va avancer avec les mitrailleuses lourdes. On va tenter d'y aller au ray gun sur lui. En progressant un petit peu. Là, c'est pareil. Ce serait bien de se mettre à portée pour soutenir les copains. Le taux, là. Voilà, ça vient. Bah voilà, parfait. On commence à nettoyer un peu, là. Il y a un autre truc derrière, un camion abandonné, ok. Et là, une autre plateforme lourde et des bulldozers. Ok, il va falloir qu'on avance nos taux. Toi t'es à sec, toi tu peux avancer. Toi tu peux avancer jusqu'ici. Toi c'est parti, viens par là. Ah, dans la fumée, c'est un peu le bordel, mais on va y aller avec notre Sherman. Avancez. Vous pouvez pas prendre ce bâtiment là, c'est un petit peu trop la mort là. Visiblement ici on a quoi? Une mitrailleuse et là on a une plateforme lourde. Est-ce que notre artillerie est à portée? Oui, notre obusier, il est là. Excellent, vas-y, commence donc à nous shooter ça de dessus là. On est en train de... d'y aller. Putain, par contre ils se font défoncer. Le bâtiment qui prend hyper cher quoi. Il est où notre véhicule à taux là? Tu peux nous shooter ça là? Faut vraiment nous allumer ça là. Allez, excellent, en feu, parfait. Alto feu, si on peut le récupérer on prend, on va avancer avec les mitrailleuses lourdes. Tac tac tac, go les gars. Allez me nettoyer ces cons. Par ici, on va avancer. Alors le Charman il a fait le taf. Toi tu progresses, vous avancez. Vous pareil. En avant, là on a un petit véhicule tracteur principal éventuellement. Il y a encore des gens ici? Ok, il y a encore du monde qui sort. L'artillerie va faire le taf. QG est détruit, le chef est mort. Sécuriser le secteur. On se fait attaquer par quoi? Il y a des renforts qui sont sortis là? Ah, il y a l'air d'avoir du rouge là, effectivement. Merde. On va peut-être être un petit peu exposé là. Ok, ça va. C'est loin. Don't attack them. Let them run. If we let the first ones get away, the others might follow. Ok, ça a l'air plutôt pas mal. Sécuriser le secteur. Ah, il restera des ennemis là? Sérieusement, qu'est-ce qu'on a réussi à... Non, on avait tout nettoyé ici. On avait tout nettoyé ici, y'a plus personne. Je vais renvoyer eux là pour voir, mais... J'y crois pas. Toi c'est pareil, alors est-ce que tu te remplis toi? Ouais, tu te remplis. Ah merde, tu te remplis plus. Ouais, lui il est à sec.
Truck on route. Enough of this shit. I'm in charge now. Anyone who tries to run gets a bullet in the back. You're in charge? Says who? You ain't in charge of shit from around here. Looks like I'm... Okay, voilà. Allez prendre les bâtiments histoire d'être à peu près placé si jamais il y a des... Ça c'est complètement en ruine. Non, il y a suffisamment de monde ici pour couvrir, tu vas venir là. Pareil, on va se tourner. Putain, lui il est à sec de chez à sec. Où est-ce qu'ils sont? Il y aurait vraiment des mecs ici là qui seraient planqués. Let's get out of here. What about our vehicle? Leave them! Just run! Get back here! I'm leader now! Yeah, good luck with that asshole! T'es quoi toi? Un HMTT ravitaillement. Ah lui il a rembarré et il se barre où? On va voir, peut-être qu'il a du ravitaillement à récupérer quelque part. Ils sont où les connards? Personne. Il y a personne. C'est méga calme. Il resterait un péon planqué quelque part dans le brouillard. Là. Ah, c'est bon. As soon as we took out their leadership, they just fell apart. Might be some small pockets of resistance, but these scum are finished. Un bon boulot, Alex Church. Movement to the northwest. Looks like a battle group with vehicles. More marauders? No. Lost them again. But the detection signature is different. Should investigate it. Nordwest. Plus pour eux là. Another potential enemy is all we need. We'll be good to know who they really are. Yeah, agreed. You want to go and investigate who's out there while we maintain the defenses here? Pause. Encore des ennemis. Alors heureusement, on a eux qui sont potentiellement en position pour retenir un peu. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste de fonctionnel et de rapide? Là, on peut mettre 3 personnes. Là, on peut mettre 11 personnes. Go, chargez là-dedans. Vous êtes 3. Chargez là-dedans. Est-ce qu'on a une autre escouade de 3 dans le coin? Ouais, des ATGM là. Vous remontez là-dedans. Où sont mes transports? Ça, c'est un MV. Je peux pas transporter. Il y avait un autre transport ici. Il est là. Ok, viens ici toi. Tu vas ramasser cela. Là, il nous reste du taux. Tu vas ramasser ça. On va récupérer le Bradley. Si on a un autre transport éventuellement. Vous foncez par là. Vous foncez dans le transport. Il nous faudrait des péons pour... récupérer ce truc là et commencer à le réparer. Tiens vous. Tiens toi t'es tout seul. Va me chercher ça, non tu peux pas. Viens ici. Il y avait des gens qui avaient souffert je crois là, ouais vous. Venez là et recommencez à me retaper un petit peu ça. Toi tu récupères ce truc. Allez c'est parti. Là-bas. Est-ce qu'on n'a pas des mecs qui sont... Eux, ils sont 3, ils pourraient aller là, donc attends, arrête-toi. C'est lesquels que j'ai envoyés? C'est eux que j'ai envoyés. Malboom, vous venez par là. Vous chargez là-dedans. On va se regrouper sur le truc de... So much for those four sons assholes. And now we got that road east open again. Then let's go. Wait. We need to check out that unknown contact to the northwest. We can't leave this area until we know it's fully safe. On y va. People.
be there. Enemy incoming. Là, on y va, tout va bien. Toi, tu retapes ça. Go. Ici, vous me chargez là-dedans. Vous vous êtes plein. Allez, on va se retrouver sur le truc de caravane là. En avant. Ils sont à sec, mais on va faire avec ce qu'on a. Pareil. Vous allez me prendre ce camion. En route, ici. Est-ce qu'on peut mettre ces gens là-dedans? Ils sont 8. Merde, ça passe pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la course? L'Abrahams. L'Abrahams t'y va. Là, on a 3. Ils sont 4, donc ça suffit pas. Go. Vous allez par là-bas. Vous allez par là-bas. Vous allez rester dans ce bâtiment. Ou donc vous allez commencer à y aller à pied aussi. On sait jamais. Des fois qu'on ait besoin de renfort. Le camion de ravitaillement ici, il est à sec. Là, on a un char qui glande. C'est parti. Le camion de ravitaillement, il fait sa vie. C'est peut-être pas des ennemis, hein, on sait pas. Hein. Ça reste de l'ordre du possible. Ok, ici, réparez-moi ça qu'on puisse le faire rouler. Là on a un striker, on va le laisser là au cas où ça décide de repartir en sucette. Là pareil, réparez-moi ça. Ici on a un HMTT ravitaillement, un autre Humvee. Qui c'est qu'on a qui traîne? Vous, vous pouvez pas conduire, on n'a pas des petites... tiens bah vous là. Petit char, vous savez conduire, go. Quelques autres petits mecs, tiens, du snipe. Vous, c'est pareil, vous savez conduire, go. Vous, vous pouvez être transporté là-dedans. Ah, on peut mettre 7 personnes dans un Bradley, c'est vrai, excellent ça. Tiens, toi, t'as réparé. Viens donc nous récupérer cette plateforme. Là, en avant. Là c'est réparé, récupérez-moi cette plateforme. Alors on va se faire une grosse session loot. Très clairement. Il y a du lance-roquettes sous haut et tout là. Ok, ça commence à arriver. Drop ça là toi. Vas-y, drop ton peuple. Lâche ça ici. Ah merde, Shobi Snipey n'a plus de carburant. Diantre. Voilà dans l'os. C'est embêtant. T'es tombé en cours de carburant ou ici? Bah écoute, on va sortir. Vous allez finir à pied. Voilà. C'est la vie, on trouvera du carburant plus tard, pour le moment c'est pas la priorité. Drop tes troupes là. On va se déployer un peu plus parce que on fait quand même un petit peu trop une cible parfaite là. Alors, c'est qui ces connards? Méchant, gentil. Pareil, droppez-moi ça. Toi tu viens là, toi tu restes ici. Vous et vous, en avant. Bon, ils ouvrent le feu, on les atomise. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Au sol, au cas où il y a des trucs à TGMiser. Alors, vous
Vous dites rien? Un MJ neutre ici, peut-être des fondateurs? Bon, bah c'est parti Malboom 1. C'est toi qui vas faire le contact. T'inquiète pas, si jamais c'est des vilains, on rase le bâtiment dès que vous êtes sortis. Promis. Ah, des fondateurs. Who's this asshole calling deserters? Wait, you're not Kelso's people. And you're not any of those movement amateurs either. What outfit are you with? We're founders, just like you. Not possible. We're the only founders unit operating this far out. Yeah, since we lost Haven Base anyway. Haven Base? That's where you're from? Got it in one. Word is the Haven garrison was wiped out. Some dumbass rookie lieutenant led the wireheads back to the base. Ça c'est l'autre enfoiré qui est flic qui raconte ça. And left his commander and a lot of good men to die. Wait, what? You got something you want to tell us here, Lieutenant Church? That's not what happened. There were other units evacuated out in time on the transports. They must know what really happened. Those who made it out of Haven have been transferred to the buildup of our forces at Oklahoma. And everything we know comes from a report submitted by a surviving senior officer. Bet it was that asshole Blair. There'll have to be an investigation, Church. And a possible court-martial for desertion, cowardice, and incompetence. But right now, Founder Command's attention is on the new assault on Oklahoma. We've been trying to crack that wirehead's base there for a while now. Sending more units there is just sending more good soldiers to die. Expected better of you, Sergeant. You've obviously been with Church for too long, and his defeatism and incompetence has rubbed off on you. But you're both still Founders, for now. And that means obeying Founders' orders. What orders? Mayor Kelso and his people here. They're Founders' deserters. They've been tried and sentenced in absentia. We were sent here to find them and carry out the court-martial sentence. What about me and my people? Good question. You're in a lot of trouble, but I bet Founder's Command will be lenient if you help us here. Help you? You mean take down Kelso and his people? Just Kelso. His people were following his orders. They can stay here unharmed, but he has to be executed. You do that, prove you're still a loyal Founder, and things will be a lot easier for you with Command. Oh la vache. Ça, c'est pas cool. On va envoyer quelque chose de mieux qu'un truc tout en panne, peut-être. Qu'est-ce qu'on a de mieux dans le coin? Bah, on a tout envoyé là-bas, de vraiment utile. On a un petit Humvee ici, avec un blindage pas dégueu. Bon, après, c'est sûr que si jamais ils décident de s'énerver, on va se faire dépouiller la gueule. Hein, mais ça, c'est pas la question. Mais bon, on va y aller. Le fumier de Blair, quoi. Me and my people are grateful. Now our town's safe thanks to you. We're not done here. You betrayed your founder's oaths, and I need to know why. You want answers? Okay. But don't blame me if you don't like them. Meet me outside town. Dehors de la ville, d'accord. Pourquoi pas, on va faire quoi, un duel à l'aube? Okay, I'm listening. We were loyal founders. A tight unit, me and my command. We even had our families with us. Then they sent us to Oklahoma. You know what they call that place? The meat grinder. Right. We didn't know it, but we were there as bait to lure Legion out from behind their defenses. Did it work? Command made sure it did. They pulled back the units defending our camp, leaving it wide open. We were deployed further away in what we thought was the bait position. But the real lure was our undefended camp where our families were.
Jesus. Oh, the Legion went in, killed everyone they could. By the time we knew what was happening and got back, it was already too late. Someone at command signed off on this? The plan was to launch our attack while Legion was distracted. Someone figured our losses, everyone at the camp, would be worth it if we could take Oklahoma. But it still didn't work. They'd still left enough defenses in place to defeat our assault. We didn't stick around to see what happened. We gathered up the survivors from our camp and got out of there and ended up here. That's quite a story. I knew one day they'd come looking for us. Tell me, Lieutenant. Do they want all of us executed? Or just me? Just you. As commander. Good. As commander, I accept full responsibility. You want to do it, then I'm ready. J'ai bien envie de jouer le gentil. Enfin, le gentil, les fondateurs, là, ils sont un peu, eux aussi, en train de partir en couille. Donc on ne va pas faire leur sale boulot. D'autant plus qu'ils nous ont dans leur ligne de mire aussi. You sure you know what you're doing here, son? They'll come after you too. I know what I'm doing. You're free to go. What about that strike team? Don't worry about them. They're my problem now. Saxon here, Lieutenant. You have good news for me, I hope. I talked to Kelso. He's not guilty of anything, so I let him go. That wasn't your decision to make, Lieutenant. Your superiors had already judged him guilty. Your duty was to carry out the sentence. He told me what happened at Oklahoma. I'd have done the same thing. Then you'd be guilty too. And now you're guilty here of failing to carry out your orders. I don't obey orders if they're to commit murder. I understand. You've chosen your side here. We're leaving to report back to command and wait for new orders about what to do with you. I obey orders, Lieutenant. Remember that when we come back for you. Verra ça. Donc ils décident pas de nous attaquer finalement. Vous êtes des fillettes, vous voulez pas, vous êtes pas des vrais soldats. On vous fait un peu peur quand même. Bon. On est fort pour se faire des amis, mais au moins on est gentil. C'est le bon plan. Du coup, il va falloir qu'on récupère un maximum d'équipement avant de partir. Donc là on a du fusil de précision laser, du barret, du lance-roquettes SWO, encore du lance-roquettes SWO. Donc on va faire une bonne session je pense de loot. Je vais la faire en off vu que l'épisode est juste assez long, ça sera parfait. Ça va nous prendre des plombes, donc autant qu'on fasse ça tranquillement. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez pensé. Est-ce que vous pensez qu'on prend des risques en y allant en mode... on emmerde tout le monde, on est gentil, vous avez qu'à crever. Ou est-ce que c'est une idée de merde? Quoi qu'il en soit, c'est notre décision qu'on a prise pour le moment. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.